ma page Bobin Wazir. On est aujourd'hui le 8 décembre, il est 8h45 du matin. Je me suis fait réveiller un matin à 7h du matin. Je sais pas s'ils font des constructions, la construction ou quelque chose ici sur le toit, mais depuis 7h le matin, ça cognait de partout. Là, ils viennent de finir à peu près 10 minutes, là. Ou bien ils sont en break, je sais pas. Mais anyway. Tout ça pour dire une autre nuit à pas dormir super gros, mais c'est correct. Je m'en vais à une place que je vais pouvoir dormir tard deux jours. Fait que on va me reposer un peu. Fait quoi, aujourd'hui, le plan, il y a peut-être une place que je vais aller en route, mais il annonce la pluie. Fait que je sais pas si je vais être capable d'y aller parce que c'est pas un musée intérieur, c'est comme extérieur plus. C'est ça. On va garder ça sur la glace jusqu'à temps que je sois rendu là. C'est ça. Le plan aujourd'hui, c'est de se rendre à Morales, qui est environ 115 km d'ici. Puis il recommence à cogner. Il est en break. C'est le plan, c'est d'aller à Morales, qui est à peu près à 115 km d'ici. À peu près 2h30. Fait que je pense que c'est pas super rapide. Les limites de vitesse, ça va être pas en 40 tout le long. C'est des routes de montagne, fait que c'est bien gros, du gauche-droite, des courbes. C'est ça. Mais après ça, j'aimerais être pas mal sorti de ça. C'est ça le plan pour aujourd'hui. Sans plus attendre, je vais vous montrer sur la carte où est-ce qu'on s'en va. Donc, on est ici à San Luis. On s'en va jusqu'ici, jusqu'à Morales. Ça a l'air droite de même, mais non, ça l'est pas. Je vais pacter mes affaires, puis on va continuer. Bye. Salut, je suis rendu au Castillo de San Felipe de Lara. Pas pire, il mouille une petite affaire. J'ai pogné un peu de pluie en m'en venant, mais c'est pas super. Là, c'est avec les restants des arbres qui me coulent dessus. Encore ici, il y avait je trouve ça toujours drôle qu'il y a un prix Exclavaga, qui est comme les étrangers, puis un prix les locaux. Pas toutes les fois, j'ai fait ma fameuse joke de « Ah, je suis un gringo », puis il rit tout le temps. En tout cas, mais bon. C'est un petit 5 minutes de marche, une petite trail comme ça. Sûrement qu'on va avoir beaucoup de vendeurs en chemin, comme d'habitude. Fait qu'on va continuer. Ben, je sais pas si vous vous rappelez le cimetière qu'on avait vu, je me rappelle plus au Mexique, c'était où. Margarita en a un peu pareil. Comme je vous disais, dans les Caraïbes. Ça datait comme les Caraïbes, puis ben, qu'on est les Caraïbes, ben c'est ça. Puis ce qui est cool, c'est qu'à droite, je pense à les Caraïbes justement qui sont à ma droite. Puis à gauche, il y avait un autre chemin, mais je sais pas trop c'était quoi, j'essaie de comprendre c'était quoi, mais je sais pas. Fait que, ben c'est ça, c'est un cimetière avec des énormes arbres, là, j'ai remarqué ça. Wow! Cool!
respirer dedans. Ouais, ce matin, je suis parti de bonne heure parce que justement, je savais qu'il allait avoir de la pluie puis des éclairs un peu plus tard. Fait que je suis parti un peu plus de bonne heure à cause de ça. Puis, ben, c'est ça. J'ai pogné un peu de pluie quand même, c'était pas super. Ah, une chose que je voulais dire. Hier, j'ai été chercher ma pizza finalement au Domino's. C'était près à 30 minutes de où j'étais sur le chemin que je venais de passer, si on veut. Puis, je suis parti de mon appartement à peu près à 6h30, mais il faisait noir. Puis, c'est hyper dangereux. Il y a du monde qui marche sur le bord des routes, il n'y a pas de lumière nulle part. Il y a des motos, pas de lumière en arrière. Le monde n'a pas de casque avec des enfants sur les motos. J'étais comme, waouh! Mais, ouais, c'est ça. Fait que je me suis rendu, je me suis revenu. Mais, à ne plus refaire. Fait que je suis rendu au château. Ça a l'air de ça. Commence un peu plus à mouiller, fait que je vais essayer de rentrer en dedans et de me mettre à l'abri. Mais regarde ça autour, c'est tout. Comment ça, c'est des Caraïbes qui autour. Anyway, je vais checker ça tantôt, je vais vous revenir là-dessus. Mais là, je vais essayer de me mettre à l'abri. Ici, on a une cuisine. Ça, ici, c'est la cuisine, ça va. Ici, ben, gars, j'essaie de la salle à manger. Je sais même pas deux secondes, je suis rentré, j'ai déjà perdu, je sais pas où aller. Ici, c'est une autre salle. C'est la salle des soldats. C'est assez petit pour vrai. Peut-être 20 pieds par 10 pieds. Il n'y a pas une grande place. C'est cool en même temps qu'il n'y ait pas mis des lumières, quoi que ça, puis garder ça plus comme c'était dans le temps. C'est cool. C'est le même parc. Ah, fait que le château ici, ou le fort, il a été construit en 1644 par les Espagnols. Puis c'est pas en fait les Caraïbes, c'est, je vais vous dire ça exactement maintenant. Ouais, c'est le Lake Isabel, c'est pas, il est connecté aux Caraïbes, mais c'est pas les Caraïbes. Puis ça a été pour les Espagnols pour protéger le Guatemala pour rentrer, parce que c'est le bout le plus mince, si on veut. En même temps, je visite des salles. Puis ben, c'est pour ça qu'il l'avait fait ici. Il a été les pirates ici, puis il détruisait le fort. Après ça, les Espagnols les reconstruisaient, les pirates les revenaient, ils redétruisaient le fort, ils le mettaient en feu, tout ça. Le château, en fait. Fait que ben, ça a été pas mal ça pendant jusqu'aux années 1700 à peu près. Jusqu'à temps que les pirates ça se fassent renvoyer. Parce que c'est la place la plus petite, si on veut, pour quand tu rentres dans le lac Isabel. Puis c'était ici qu'ils recevaient tous les bateaux espagnols. Puis pendant la nuit, apparemment, ils mettaient une grosse chaîne pour pas que les bateaux passent entre ici puis l'autre bord que je vais vous montrer tantôt. Fait que c'est vraiment intéressant comme place ici quand même. Je sais pas si on va super bien ici, mais j'ai trouvé la place qui ressemble à un donjon ou une prison. C'est quand même plus comme ça. Il fait vraiment noir ici, la seule place qui a un peu de lumière. Ah, bol de gars de Paul, je sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ça a l'air d'une prison. Puis, ben ici, ça a été la seule source de lumière. Waouh, c'était clair, la salle des pour la poudre noire et choses comme ça, parce que ça prend pas de lumière, puis pas de lumière dessus. Fait que c'est un des deux. C'est ou bien une prison ou bien une salle de poudre noire. Fait que, ben c'est ça, mon pote. Ouais, fait qu'ils sont servis du château ou fort ici, parce que par un bout, c'était au début, c'était un château, après ça, c'est devenu un fort. Fait qu'ils s'en sont servis jusqu'à à peu près dans les années 1800. Puis après ça, ben ça, ils l'ont abandonné parce que ben, c'est du tourisme ici. Ben, c'est vraiment intéressant pour eux. Puis ça, on peut voir que ça, je suis trop grand. Fait que c'est ça. Ils disent que le plus de personnes qu'il y avait ici, qui ont recensé, c'était dans les années 1772, après dans ce bout-là, je me rappelle bien. Puis c'était environ 122 personnes. C'est pas super gros comme fort, fait que il devait être pas mal tassé. Mais ils disent que dans la fin de 1700, il y avait plus environ rien que 36 personnes d'infanterie ici, puis c'est tout là. Fait que j'ai trouvé leur église ici. C'est pas super grand, mais tu sais, pour 36 personnes, il n'y a pas besoin de quoi de super grand. Fait que ça a l'air de ça. J'ai cherché à venir un peu parce qu'on voit pas grand-chose.
ça a été ici. Puis ici, ben, c'est le confessionnal. Fait qu'il aurait pu aller se confesser ici avec le padre du temps. J'en vois pas super bien. Mais tu sais, quand tantôt je vous disais, il mettait des chaînes. Fait que ça aurait été là qu'il aurait mis une chaîne entre ici et l'autre bord là-bas. Pour pas que les bateaux français, anglais, les pirates, quoi que ce soit, ils passent. Je viens de trouver une meilleure vue un peu. Peut-être que tu disais où il y avait la chaîne, là. Ça aurait été là. Ben, c'est ça. Ici, c'est le dessus du fort ou du château. On va l'appeler château. Il y a des sorties, des portes partout ici. Je vais essayer de me rendre, là. Tricky un peu. Ah oui, c'est ça. Il y a un coup. Il y avait un beau trou. Là. Il y a un pont, là. Il y avait comme un pont levis ici quand on est rentré. Là. Fait que c'était ça ici. Là, la salle est toute fermée. Un moyen de me rendre en haut. C'était un autre tour, mais. Jesus! Ça allait pas être grand. Mais oui. Mes planches sont pas super safe en plus. Regardez ça. Fait que l'infanterie aurait pu être ici, puis avec leurs armes ou. Tirer ces bateaux, bien que. Vérifier voir s'il n'y a pas des bateaux pirates, quoi, ou d'autres pays, comme la France ou l'Angleterre, qui venaient ici, ou qui arrivaient, fait qu'ils pouvaient les voir de loin. Ça, si on peut voir, je ne sais pas si vous le voyez un peu, mais ici, bon, on voit quand même bien. Fait que, tu sais, l'eau n'est pas aussi profonde. Dans la nuit, c'est plus profond, c'est là que les bateaux passeraient. Puis après ça, ça redevient moins profond que dans ce coin-là. Là. Cool. C'est plus le temps. Non, il n'y a rien pogné. Anyway. Fait que je suis dans la tour en plein milieu du château. C'est un peu la tour la plus haute, quasiment. Fait que ben, d'ici, on voit vraiment bien tout ce qui se passe autour. J'ai trouvé ici tout ce qu'il y aurait eu, les canons. Fait que ben, c'est ça. Parce qu'il y a quand même une très bonne vue du lac. Isabelle, je pense, le lac Isabelle. Fait que, ouais, avec ça, les canons, ben, vous voyez tout ça. Fait qu'il faut attaquer pirates ou quoi que ce soit qui s'en venait par ici. Fait que c'est pas mal ça pour le château. Ben, c'est de descendre en même temps, ça marche pas trop. On peut voir que je suis trop grand pour ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je vais me retourner vers la moto qui est à peu près un 5 minutes de marche d'ici parce qu'il laisse pas le monde se stationner ici. Fait que, ben, c'est ça. On s'en retourne sur la route. OK, bye. Salut, fait que je suis rendu à ma chambre pour la soirée. Puis regardez ça. Il y a des petits lapins. Il y a des petits lapins. Alors. C'est José, mon host pour la maison. Puis, ben, c'est ça, on va aller voir ça, de quoi ça a l'air en dedans. C'est vraiment beau. Puis, regardez ça, il est belle là-bas. Fait que, ouais, c'est vraiment, je suis heureux d'avoir trouvé cette place-là ici. Là, ça se passait. Ouais, c'est ça, je suis vraiment content d'avoir pris ça. Ben, c'est pas lui le propriétaire. Le propriétaire. Je vais vous montrer ça ici. Le propriétaire reste aux États-Unis. Mais il loue la place ici tant qu'il est pas là. Fait que, hier, c'est ça, quand j'ai loué la place.
Hier, quand j'ai loué la place, il m'a demandé voir. Quand j'ai dit que j'étais jardin en auto. Fait que disant, ouais, t'es un motocycliste, que j'ai expliqué un peu mon voyage, tout ça. Puis il m'a montré, lui, tu veux partir en voyage, il veut faire l'Argentine jusque chez eux aux États-Unis. L'été prochain, il veut commencer ça. Fait que, ben, c'est ça. Puis là, ben, c'est encore plus cool, c'est que il m'a donné une nuit gratuite. Fait que je suis ici parce que je suis ici deux nuits. Fait qu'il me charge avec moitié prix. Fait que ça me coûte comme 70$ pour être ici pour deux nuits. Fait que c'est vraiment cool. Puis, tu sais, si on regardait ça à la place ici, là, les murs, sont, les plafonds seront à peu près 12 pieds de haut. C'est vraiment beau. Puis, ben, ici, j'ai la chambre avec l'air climatisé, la TV que j'ai quasiment jamais. La chambre de bain, checker ça. C'est la chambre de bain. Ouais. La douche, j'ai pas checké. Ils m'ont dit qu'il y a l'eau chaude à marche. Hier, l'eau chaude ne marchait pas. Même s'ils m'avaient dit qu'elle marchait, elle ne marchait pas. J'ai pris une douche froide. Mais ça, c'est des choses qui arrivent. Puis ben ici, ben, c'est ça, j'ai la salle à manger, cuisine, tout ça. Fait que ben, c'est ça pour ma chambre pour les deux prochains jours. Fait que ben, c'était ça pour aujourd'hui. J'espérais pas pogner de pluie. Finalement, j'ai pogné de la pluie. Quasiment, je dirais, le deux tiers du chemin, il y avait de la pluie. Mais c'était pas. Il mouillait pas assez haut. Il y a un bout qui mouillait un peu plus fort, mais le restant, c'était correct. C'est la petite pluie. J'ai quand même mis mon habit de pluie. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est pas le fun d'être trempé à la verte. Ça fait 2-3 jours de suite que j'étais en moto, puis les dernières 30 minutes, j'étais trempé à la verte. Fait que j'ai fait comme, m'arrêter sur le bord, je vais mettre mon habit de pluie. Il commence à mouiller un peu plus fort. Puis je savais qu'elle allait avoir la pluie quasiment jusqu'en arrivant ici à Morales. Pour ce qui est du château, c'était vraiment intéressant, j'ai vraiment aimé ça. Comme je dis, c'est ça. Ça a commencé château, après ça, se transformer en fort. Puis, fait que, c'est ça que je l'appelais tout le temps château ou fort, mais en tout cas, c'est comme les deux un peu. Mais c'est vraiment intéressant de voir ça, puis de voir l'histoire qu'il y a là-dedans. Pour ce qui est du lac Isabelle, je me rappelle bien, j'ai été mettre les mains dedans. J'ai pas pris la caméra parce que des fois, il y a des affaires comme ça que j'aime ça faire comme pas de caméra. Puis il commençait à mouiller pas mal aussi, fait que j'avais serré la caméra. Quand j'ai mis ma main dans l'eau, il y a une vague qui m'a ramassé solide. Tu sais, mes bottes de moto, c'est à peu près, je te dirais, un bon. Tu sais, ils montent quasiment jusqu'aux genoux. Puis l'eau a rentré une petite affaire dans les bottes. Fait que l'eau, j'ai pogné une pas pire vague. Fait que, tu sais, je regardais les vagues depuis après une minute, genre, je vais être correct, une grosse vague vient de passer. Non, j'ai pogné la pire vague de toute la gang. Mais c'est correct, je me suis mis la main dedans. Fait que c'est un autre check in the box. C'est ça. Pour ce qui est de demain, je sais pas, il y a une couple de places à aller visiter ici. Le propriétaire, justement, m'a envoyé une couple de places et il m'a dit tu devrais aller visiter ça pis ça. Fait qu'il m'a donné une couple de places à aller visiter. Fait que je sais pas si je vais faire ça demain ou je vais prendre ça plus relax. Comme je disais hier, il m'emmenait pas mal brûlé. Puis finalement, ben, matin, je pensais me faire réveiller par les oiseaux. Le matin, finalement, je me suis pas fait réveiller par les oiseaux. Je me suis réveillé par les travailleurs en haut. Fait que c'est ça. Fait que je vais espérer bien dormir cette nuit, bien me reposer. Puis sur ça, ben, je vais voir ça si demain je vais visiter de quoi ou que, comme j'ai dit ici, je prends rien que ça relax. Fait que ça va être ça la vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez la mention j'aime. En mettant la mention j'aime, ça fait que plus de monde peut voir la vidéo selon les vidéos que vous regardez. Fait que ça va donner une suggestion au monde. Fait que c'est toujours bon de mettre la mention j'aime. Laissez des commentaires ici sur ma page Facebook Bobin Wazir. Abonnez-vous à mon Instagram si vous n'êtes pas encore abonné, Bobin Baramba Shaggy. Puis abonnez-vous à mon YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Puis partagez en grand nombre. Puis sur ça, ben, on se voit aux prochaines vidéos. Puis j'espère que vous allez avoir une bonne journée. OK, bye!